Le 3 février 2014, on m'annonce que je suis atteinte d'un cancer du sein avec deux tumeurs stade 3 avancées, donc très graves. Un combat allait commencer avec mon mari, toujours à mes côtés. Ablation du sein plus chimiothérapie me feront perdre mes cheveux. Les examens qui suivront seront douloureux, avec en plus 8 opérations en 3 ans. C'est pendant ce début de période que Sainte Thérèse de Lisieux viendra me visiter. Elle me guidera à chercher sur Internet des apparitions mariales qui ont eu lieu dans le monde. Et là, je cherche et je découvre celle de l'île Bouchard. J'en pleure d'émotion. Mais je ne regarde pas où cela se trouve. C'est l'histoire que je retiens. Peu de temps après, mon mari, ne sachant pas mes recherches, décide que nous allions nous reposer en Touraine, pas très loin de la Vendée. J'étais si faible. Tel a été mon étonnement en voyant la pancarte « Île Bouchard ». En expliquant l'histoire à Vincent dans la voiture, il me dit « Eh bien là, on y va ». Dans l'église Saint-Gilles, étant à genoux, après avoir lu la prière, il se releva avec un regard de lumière que je ne connaissais pas de lui. Me prenant la main, il s'arrête net devant la statue de Sainte Thérèse, puis celle de ses parents, en me disant et en me serrant fort dans ses bras, « Il faut aller à Lisieux, ils nous attendent ». Depuis cette merveilleuse conversion, Vincent fera sa communion le 18 juin 2017 et deviendra sacristain dans notre petite église paroissiale de la Vendée. Nos proches et nos familles respectives nous ayant abandonnés complètement pendant cette épreuve, nous avons adressé nos prières à Notre-Dame de l'île Bouchard, qui nous a exaucés dans notre demande de pardon vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui, tous les deux, nous sommes en paix. Sainte Thérèse a dit de la Vierge Marie, « Elle est plus mère que reine. » La mienne n'ayant pas été présente du tout pendant ma maladie, cette phrase résume bien notre histoire. Que Notre-Dame de la prière, en cette fête, vous guide tous dans l'amour et dans la compassion. Merci.